pas de Togolais, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas de Ivoiriens, il n'y a pas de ça. Quand vous montez, vous dites, hey, vous voulez ou vous voulez pas ou notre bouche dans vos affaires. Vous avez compris, non? Notre bouche dans vos affaires, on est dedans. Si vous ne comprenez pas pour nous, là, il faut venir demander, on va vous dire. Si quelqu'un ne veut pas vous dire, on va envoyer espion, ils vont venir chercher, ils vont vous dire. Go, c'est affaire d'Ivoirien. Quand votre Leslie court pour aller vendre son pétou au Sénégal, là, vous savez que c'est Ivoirien? Est-ce que ses clients sont seulement Ivoiriens? À moi, cette fille, toi qui es montée, on sait en même temps que toi, ta perruque est en dépression. Tellement il est obligé de supporter ton visage. Vous êtes à l'image de votre star. Quand ça vous arrange, vous connaissez nationalité. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne connaissez pas nationalité. Vos dons, on dirait des cabarets oubliés. Oh, et ça, c'est affaire d'Ivoirien. Notre bouche dans vos affaires pliant aujourd'hui, demain, après-demain. Si vous êtes trop fâché là, allez voir. J'étais sans corps, non. Ah, il était occupé, pied dans mon bruit, mon cœur Mais bougonne. Il dit, la même chose n'est pas là. J'allais dire, l'invitation, je ne propose ici. Vous êtes venu défendre ici. Elle a permis, c'est-à-dire au Sénégal, là. Elle, là, quand elle montre son sac d'identité au policier, le policier sait en même temps que, celle-là, si je passe par cette rue-là, je vais pouvoir l'attraper et lui donner 200. C'est quelle prostitution elle fait, et puis on ne voit pas dedans. Combien de pays elle doit faire, et puis nous, on ne va pas respirer. Elle n'a qu'à s'occuper de ses fesses. Voici prostitution aussi, on ne sait pas quel genre de prostitution elle fait, mais ça ne l'avantage pas. Au lieu de monter dans son lait pour lui dire, Madame, on a appris que toi, tu vends ton pétou un peu partout. Il faut essayer de trier tes clients. Vous êtes là à monter dans les laves, à m'aider les gens. Elle est insultée quand? Elle a fait ci quand? Quand est-ce qu'elle a fait ça? On dirait que vous prenez des boissons bizarres, bizarres qui flouent vos textes. On dit dédié à votre stade d'arrêter d'insulter José. Vos conseils là, c'est sur les panneaux des autres vous donnez. Quand elle-même elle fait ses lives là, vous êtes incapable de monter pour lui dire laisse, il ne faut pas insulter. Si vous êtes femme, vous êtes courageuse, vous êtes abonnée qui aime vraiment là. Si vous êtes trop conseillée là, quand elle va faire ses lives là, il faut monter, vous allez lui dire laisse, on n'incite pas les gens comme ça. Il ne faut pas parler comme ça de José. Conseil que vous venez de donner aux gens ici là. Le cas que vous prenez pour donner conseil aux gens. Faut prendre ça et puis vous allez monter dans son live pour lui dire faut pas insulter quelqu'un. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Bande de vieilles filles perdues. Un peu seulement, oh, c'est ivoirien. Un peu seulement, oh, ceci. Bon, bah, bien matin, midi. C'est quoi ça? Non, je m'excuse auprès de. Voilà, je m'excuse auprès de Rose pour tous ces propos qu'elle a fait. Parce que quand il le dit, la panéliste, même elle est occupée, influenceuse. C'est pour cela qu'elle est invitée. Voilà. Sinon, on ne fait jamais ce genre de propos. Ici, tout le monde est ici. Camerounais, tous les Africains ici, même Chinois, même ici, Marocains, nous tous on est ici. On est chérie. Gigi, on t'écoute. Merci. Comme tu dis, tu es occupée et tu es pressée. Je veux répondre. En fait, j'étais en bas, effectivement, je boue comme ça, comme tu viens de dire, je bouillais même. Comme s'ils ont versé l'eau sur moi pour répondre à cette dame qui est sortie là. Qu'elle vient parler pour dire que c'est entre les Ivoiriens là. Mais toi, la dame là, tu n'as pas honte de dire que c'est entre les Ivoiriennes. Tu n'as pas honte de le faire sortir de ta bouche toi-même quand tu parlais là. Est-ce que ça sonnait même que c'est entre les Ivoiriens? Est-ce que ça sonnait dans votre oreille? Et puis vous qui écrivez en bas là, ça sonne dans vos oreilles que c'est deux Ivoiriens? Mais il y a dit, quand José est venu faire le conseil ici là, c'est qui a amené José en France ici? C'est vous les Ivoiriens? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? C'est vous les Ivoiriens qui l'avez amené ici en Europe pour venir faire le concert? C'est vous qui l'avez amené, c'était un Camerounais qui l'a amené ici à venir remplir casino. Vous avez juste la grande gueule pour parler sur les panels au fait. Libérez la vie de José. Hein. Ne comparez pas une lesbienne, je suis désolé, hein, une lesbienne, une qui prend les bangalas matin, midi et soir, qui fait croire aux gens qu'elle est lesbienne là. Ne venez pas la comparer à une diva, hein. Vous avez compris? Ne venez pas la compagnie. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien à dire là. Fermez votre bouche et puis restez dans votre maison. Vous avez compris? Libérez la vie de José. Elle ne vous voit même pas. On vous a déjà donné avertissement, non? Donc, avertissement des plaintes, ça ne vous subit pas. Ça, vous n'avez pas compris. Vous pensez que c'est vous voyez, c'est de l'amusement. Il y a moi les femmes fistres. Vous savez, les femmes qui sont perdues comme ça. Oui, c'est une histoire de ivoirien. De quel ivoirien tu parles? De quel ivoirien tu parles? Oui. Non, ça m'énerve de. Faut enchaîner. De quel ivoirien tu es sérieuse là? Mais pourquoi vous êtes méchante comme ça? Toi, tu parles d'Ivoirien, puis quand elle est en train d'insulter sa soeur Ivoirienne là-bas, quand elle insultait tes enfants là-bas, tu étais où? Tu étais où? Tu allais lui dire donc arrête d'insulter ta soeur Ivoirienne? Tu allais lui dire arrête d'insulter les choses Capi? Tu lui as dit ça? Il y a moi les femmes qui n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire que votre tête est vide au fait. Arrêtez, hein. Sinon, il dit sur la toile ici là. Toi-même, il y a déjà capturé même ta page même. Réfléchissez un peu quand même. Et puis quand vous parlez là, José n'est pas Ivoirienne. José est une Africaine. José, là, elle est une Africaine. Elle n'est pas Ivoirienne. S'il vous plaît,
José n'est pas ivoirienne. José n'est pas camerounaise. José n'est pas chose béninoise. José, José est africaine. Elle est née par les Africains. José n'est pas aimé seulement que par les Ivoiriens. Et puis combien d'Ivoiriens, si on les compte, si on vous compte là, vous qui aimez José là, si on vous compte vous les Ivoiriens là, il y en a combien? Il y en a combien qui l'aiment? Mais si on prend le monde, si on prend les Africains, on regarde dans tous les pays là, tu vois combien de personnes qui aiment José? Puisque vous-même qui êtes en soi ivoirienne, vous venez parler de quoi? C'est pas vous qui l'avez jeté à la petite populaire ici, et puis vous venez parler de quoi? Arrêtez un peu, hein. Arrêtez votre hypocrisie à deux balles là. Et puis on vous regarde parce que quoi? On vous regarde parce que quoi? Libérez la vie de la fille, hein. Libérez sa vie maintenant. On en a marre de vous là. Il y a quoi? C'est votre camarade. Quand elle partait à l'école, vous êtes assis sur le même banc ou bien? Vous êtes assis sur le même banc, mais quand elle compose sa chanson là, c'est pour rentrer au studio avec elle. Et puis on ne peut pas lâcher sa vie à cause d'une lesbienne qui a perdu sa vie, tout son accoutrement. Vous allez fatiguer le monde là. Ça va pas chez toi. Faut venir encore raconter. Non, mais vous laissez faire des lesbiennes. Je suis en bas. Venez raconter un peu la vie. Merci beaucoup. Sur ce, je n'ai fait des orientations là. Non, mais c'est ce moment, ça fait trop mal. Oui, c'est entre les Ivoiriens. De quel Ivoirien tu parles? De quel Ivoirien tu parles? José est africaine. Elle n'est pas, parlé de elle est africaine. Famille, on a rappelé le casino. C'était qui José a présenté sur le podium? C'est pas un Camerounais? Et c'était un producteur ivoirien? C'était un producteur ivoirien? Arrêtez un peu là. Vous saoulez les gens à la fin là. Qu'est-ce qu'il y a? Ivoirien, ivoirien. Toujours c'est ivoirien. Je suis ivoirienne. Mon père est ivoirien. Ma mère est ivoirienne. Je suis José. Demain après, demain jusqu'à vie. Je meurs même avec José. Ça chope pas. Mais il y a encore quelqu'un qui va s'élever, qui va venir insulter José. Vous allez nous insulter, nous tous. Moi là, ma page n'est pas fermée. Ma page là, ma page est là-bas. Vous allez me capturer, vous allez m'insulter. Ça chope pas. Ils m'ont foutu. C'est pour José seulement là. Insultez-moi. Mais on est sur la toile ici. Non, venez encore, vous allez venir comparer les gens pour dire que chose ivoirien contre ivoirien. Tu allais lui dire là-bas quelqu'un est en train d'insulter pour dire non que d'arrêter. Tu allais lui dire. Tu as pu lui dire ça? Vous étiez en train d'appuyer. Vous étiez en train de mettre les cœurs, non? Vous dites oui, que, oui, faut parler, insulte là. Maintenant, c'est sur le palais d'une autre personne, t'as venu te jouer genre, maman qui connaît tout. Oh, que tu connais rien du tout. Va encore nettoyer ton cerveau là, avant de venir parler de José. S'il vous plaît, libérez un peu la vie de José, hein. Vous avez compris, non? Merci beaucoup, la dame qui a parlé là, qui est descendue là. Merci beaucoup, maman. En tout cas, bravo à toi. C'est ça, on dit les fans. Les fans là, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, mais, mettez-moi en tête que José n'est pas gabonais, José n'est pas, ivoirienne, José est africaine. Merci là-bas. Sur ce, Sarah a demandé, merci beaucoup. Je vais descendre. Merci beaucoup, Gigi. On a qu'on pouvait rebondir, non? Oui, en tout cas, moi, Diane, Fais monter la compte là. Vraiment. Fais monter la compte. On est fatigué depuis 2016. Mais on est fatigué. Faut monter. Oui, allô, bonsoir. Tout le monde, nous sommes les Africains. C'est pas toi, tu vas pas te lever pour une telle personne. Ça va. Mais attends, je voulais faire monter. Non, mais est-ce que c'est sûr même que c'est ivoirien? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des vrais ivoiriens là-bas? Elle veut parler, en fait. Tu es sûr que tu es ivoirienne? Vous aimez trop ça. On n'est pas raciste, mais à cause de vous, là. On accueille tout le monde. Vous êtes la bonne grosse bouche. Vous venez sur les panels. Non, toi, tu es étranger. Tu ne peux pas venir mettre ta bouche dans la fête d'ivoirienne. Toi, tu es ivoirienne. Allô? Coco, pardon, attends. Je peux parler, Rose. Excusez-moi. Oui. Influenceuse, allô? Tu n'es pas influenceuse. Excuse-moi, ma soeur. Si tu vas sur mon mur, tu vas voir que... Donc, toi, tu es ivoirien, je suis togolais. Non, attends, d'abord, attendez, je parle. Si tu vas sur mon mur, tu vas voir que je suis une femme de José. Tu sais, la dame menaçait. Moi, vous ne m'avez pas entendu. Et puis, vous êtes à Mais c'est une femme. Elle menaçait. Elle dit que vous, là, vous allez perdre votre vie. Rose. Quand Leslie faisait son live, est-ce que tu lui as dit Leslie? Moi, Leslie n'est pas ma fan. Tu viens ici, tu montes, tu dis non. Moi, je m'en fous de ce qu'elle a dit. L'histoire de Ivoirien, c'est ici, celui-là est congolais, celui-là est je sais pas quoi là. Moi, j'aime pas ça. Madame, tu sais, elle était énervée, non? Elle parlait de moi parce qu'elle était en colère. C'est ce qui m'a fait en colère aussi. Elle a dit non. Ma chérie. Bon, ça va. Est-ce que, non, moi, j'aime pas ça. Je vous remarque depuis un certain temps là. Vous vous promenez comme des oiseaux oubliés là. Vous montez dans l'air. Vous m'avez déjà vu sur les panels. Moi, je m'appelle Ivoirien. Vous m'avez déjà vu sur les panels. Ma chérie.
Ce message s'adresse à toi et à toutes les personnes comme toi. Quand il y a bafou dans les pays là, il n'y a pas frontière entre nous. Tu as compris, non? Quand ça se gâte dans un pays là, il n'y a pas frontière entre nous. Mais en tout cas, ça rentre bien. Attends. J'ai dit, c'est que je suis en train d'expliquer, ça dit que vous ne m'attendez pas, c'est anglais, je parle ou quoi. On ne veut même pas t'entendre, parce que ce que tu as fait ici, là, c'est pas beau, c'est sale. J'ai dit, donc elle est menacée de mort, là, donc tu as accepté ça. C'est ça, non, menacée de mort, c'est celle qui est vous allez perdre votre vie, vous allez comprendre, si vous voulez perdre votre vie, c'est ça, je suis montée, j'ai dit, madame, c'est vrai, tu défends José, c'est bon, mais il faut laisser affaire de mort, là. C'est pas bon. C'est vrai, José, là. Nous tous, on l'aime. Mais laisse affaire de menaces de mort. Bon, attendez, je vais parler d'abord. Et puis, vous allez parler. Je sais que le panel, là, c'est pour vous. Moi, je vais descendre. Je vais vous faire comprendre que, je dis, quand la femme parlait de mort, ça m'a touché. J'ai dit, mais depuis l'état, elle parlait menacée. Oui, vous allez perdre votre vie. Quelle partie elle a dit mort? Elle n'a pas compris. Elle là, elle peut témoigner. Elle parlait de mort. Que nous l'entendons. Moi là, je suis une Congolaise. Viens, si tu es femme, venez là-bas. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, quand tu m'attends pas, je mens. Je vais mentir là, je vais avoir quoi de toi. Parce qu'on n'a pas dit. On a dit, vous allez lui demander, mais tanti, tu vas nous tuer, tu vas faire quoi? Elle est pas dit congolaise, elle est gabonaise. Attends, quand tu as un peu. Rosie, elle pose des questions à Rosie. Toi, même quand tu parles, quand tu entends son français là, c'est pas français gabonais. Pardon, attends, quand il a lui posé une question. Quand Leslie est en train de maudire les enfants des juifs. Je dis, je ne suis pas Leslie. Leslie là, je ne la vois même pas. Je te pose, ta vidéo a tourné sur TikTok ici. Tout cas, maudissait les enfants de Joseph. Toi, tu étais où? Mais ce que je te parle là, tu n'entends pas ou bien? Je ne suis pas abonnée à Leslie. Vous me parlez de menace de mort, c'est bien chez vous. Je suis partie fort, je sais, mais c'est par rapport à ce que la dame parlait. Toi, tu étais là, il y a une même là. Elle avait écrit, dit tantôt, tu vas nous faire quoi? C'est ce qu'elle a dit que je suis montée. De son affaire, pourquoi? Elle est africaine comme nous. Elle est toi-même ivoirienne. Toi-même, tu parles, tu es vraiment ivoirienne. Il y a pas du. Je ne suis pas ivoirienne, hein. Moi, je ne suis pas ivoirienne. Je suis une américaine. Donc, toi aussi, il ne faut pas parler d'affaires d'ivoirienne. Toi, tu ne pas. Ah, comme tu dis que je ne suis pas ivoirienne là. Je suis une américaine. J'ai dit influenceuse, c'est toi qui me connais pas, mais moi je te connais, tu comprends, non? Je te suis très bien, tu comprends? Parmi tous les panels là, c'est toi. Coco, excuse-moi, je vais répondre à la dame, je vais lui poser une question, parce qu'elle a dit un truc qui m'intéresse. Madame, excuse-moi, tu viens de dire tout à l'heure que toi tu es fan de José. Oui, je suis. Ok, tu dis que tu es fan de José. Mais j'ai dit, donc tout ce que la dame a dit là, sur le panel là, la seule chose qui t'intéresse, c'est que c'est parce qu'elle a dit que il aura des morts, c'est ça? Voilà, c'est tout ça. Ok, allons doucement. C'est-à-dire que, mais quand Leslie insultait les enfants de José, tu peux me laisser finir pour que tu me réponds, s'il te plaît? Laisse-moi finir sur le chocolat. Bien, quelle Leslie même? On parle de Leslie, c'est que toi. Donc tu connais rien, mais tu es venu défendre. Je suis pas cette Leslie là. Je vous parle de Leslie. Donc toi, tu es venu défendre quoi exactement? Donc si toi, tu ne la connais pas, tu es venu défendre quoi? Moi là, je suis Leslie Choco. Moi, je m'en fous. On ne parle pas de Leslie Choco. Donc tu n'as rien compris, mais tu es venu défendre. Je dis, madame,
C'est parce qu'elle a parlé de moi que je suis moi. Mais ça, ce n'est plus à ton niveau, puisque tu ne connais même pas la personne. Puisque tu ne connais pas la personne, donc ce n'est pas à ton niveau. Je connais pas qui, je connais pas qui. Tu connais pas Leslie, c'est que toi, de qui on parle, en fait. Je dis, Leslie, c'est que toi, là. Vous avez parlé de Leslie. Je dis, cette Leslie-là, moi, là, je ne la suis pas. Ok, maintenant, la question que je pose, tu ne la suis pas, mais pourquoi tu es venu te défendre? Pourquoi tu es venu te défendre? Je dis, allez-y un peu sur mon mur, vous allez voir. Mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec que tu es ça. Moi, je te pose une question. Mais que toi, tu es fan de José. Moi, je te pose une question. Tu ne connais pas. Bon, madame, je vais te poser une question. Maintenant, tu te lèves pour venir te défendre, là, c'est pourquoi? Je vais te poser une question. Il faut bien comprendre. Je vais te poser une question. Je dis, est-ce que toi, je vais te poser une question. Elle est juste passée et puis elle est en discours. Elle est montée nous faire son discours. J'ai insulté José, tu as entendu dans ma bouche. Moi, ma question, tu ne m'as pas encore répondu. Moi, je suis montée pour une question. Je sais pas si tu peux me répondre. Mais dis que tu ne connais pas les signes. Répondu. Moi, non, mais tu ne m'as pas répondu. Moi, je ne peux pas monter sur un répondu. Panel. Écoute-moi, madame. Moi, je monte sur un panel parce que je connais José. Parce que c'est ma diva. Parce que c'est mon artiste. On est d'accord. Moi, quelqu'un qui parle d'elle, je monte et puis j'étais d'abord. Mais toi, le fait que la femme dit que Leslie va mourir, toi, tu pensais que c'était ta Leslie Choco. Donc, madame est montée. Gaillardement, elle dit que pourquoi tu dis qu'elle va mourir? Mais donc, elle, quand elle est cité, les enfants là, la malédiction qu'on pose là, écoutez-moi, madame. Non, tu peux dire ici. Quand on dit à une personne que quand on maudit les enfants, c'est-à-dire que la malédiction là, c'est ça aussi, c'est la mort, hein? Ou bien tu sais pas ça? La malédiction sur les enfants, c'est la mort. Je sais ça. Mais là tu sais. Mais par contre, quand tu es monté, tu dis que toi tu es José. Mais tu n'as pas défendu José. Mais toi tu es venu défendre ta Leslie. Quand la dame parlait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que moi aussi je suis une femme de José. Leslie, c'est quoi, ivoirienne? Oui, elle est ivoirienne. C'est ça, il y a dit, en fait, madame, faut reconnaître que tu as fait l'erreur parce que tu pensais qu'on parlait de Leslie Choco. Dis la vérité, on va quitter là. Parce que tu pensais qu'on parlait de Leslie Choco. Sinon, la vraie Leslie, même à qui on parle, tu la connais même pas, ni d'Adam, ni d'elle. Leslie Choco aime bien José. Tu comprends? Moi, je suis Leslie Choco. Elle aime beaucoup José. Elle parle toujours de série D. Ok. Donc, toi, tu pensais que c'est de Leslie Choco qu'on parlait. Mais malheureusement, ce n'était pas de Leslie Choco. Tu vas me faire parler de ce que moi. Non. Mais madame, parce que tu dis que tu ne la connais pas. Moi, ça va. Je vais te faire raisonner, mais c'est par rapport à tes propos que je suis en train de te parler. Parce que tu dis que tu ne la connais pas. Tu ne connais pas Leslie. C'est que toi, tu ne la connais pas. Madame. C'est qu'ils ont dit que Leslie va. Oui, là. Vous pensez que je m'amusais, non? Elle connaît même pas le sujet, elle est juste montée. Mais en fait, c'est ça que j'ai dit, elle connaît rien. Elle est montée parce qu'elle a entendu Leslie. Donc pour elle, Leslie, c'est la Leslie Choco. Or que Leslie Choco n'a rien à voir avec l'histoire. On parle de Leslie, c'est que toi. Celle-là même qui se met nue sur les bas de fer pour remuer son corps, son poids, tout là, c'est d'elle qu'on parle. Est-ce que vous avez compris, madame? On ne parle pas de votre Leslie Choco là. Non, on ne parle pas d'elle. Donc, en tant qu'une fan de José, quand on parle de Leslie qui va mourir là, tu dois accorder ça. Parce que Leslie a dit à les enfants de José qu'ils sont maudits. On est d'accord? Non, là, je ne sais pas. C'est normal qu'elle meure. Je sais que je ne fais pas. Je ne sais pas. Tu as eu la tort de monter sur le panel sans tu t'es jeté boum dans la rue du loup. Sans le savoir. Merci la Gigi, calmez-vous. Non. Gigi, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, les filles? J'ai compris, la Rose, on a compris. Hein. Voilà, sauf que la dame, elle avait dit seulement qu'ils vont pleurer dans les familles parce qu'elle disait qu'ils étaient la scellée. Attends, on parlait aussi, on se comprend. Pardon. On se comprend pas si on parle tous. J'ai dit la dame, là, moi, il était en bas, c'est moi, il fait monter, qui fait descendre. Si elle avait fait des propos pour dire laisser aller mourir, que ce soit un récit chocolat, mais 5 étoiles, on allait dire non. Parce que depuis que l'influenceur a fait le panel, ceux qui ont voulu attaquer les mamans, on a dit non. Ceux qui ont voulu faire des propos très graves, on a dit non, mais ceux qui étaient là, même bien mal Leslie, celui-là, on les a laissés parce qu'elle aime bien mal. Mais par rapport à moi, et puis, on a pris ça comme insulte des moments, on n'a pas accepté ici, en fait. La dame a aucunement dit, elle allait mourir.
peut-être tu n'as pas compris ce qu'elle dit. Elle dit, vous allez voir, dans vos familles, vous allez pleurer. Parce que quand vous acculez quelqu'un aussi, dépression, là, ça peut mener à la mort. Parce que Jésus avait parlé qu'elle avait déprimé. C'était tout de grâce. C'est ça dont elle était là. Sinon, aucune moins, elle a souhaité la mort à quelqu'un, en fait. Toi aussi, bon, peut-être tu avais mal compris. Toi aussi, tu es parti dans les propos xénophobes. Quand tu vois, il essayait de défaire des sons pour monter, pour calmer, en fait. Donc, si tu n'avais pas compris, elle n'a pas souhaité ça. Mais après, on a qu'à se calmer, en fait. C'est tout. On est en train de parler de l'Esprit Saint qui toi, en fait. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci de la route. Mais pardon, je me mets si tu as quelque chose. Non, non. Non. Merci, Gigi. La route, je me mets si tu as un débat, même si la personne a souhaité. Faut bien mal la personne, faut pas parler de Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a rien de Côte d'Ivoire. J'ai compris, j'ai compris. Merci. Non, l'autre, je ne la suis même pas. Non. La Rose, tu as vu la Rose à loup pour te dire. Tu dis pas, tu as vu balle perdue, cadeau. Tu vois, j'ai plus balle perdue. De... Sarah, on a pas de dire à la justice là. Hein? On a pas de dire les vérités. Attendez, les filles, s'il vous plaît. Attendez un peu. Pardonnez. Mais moi, attends, s'il te plaît, une seconde, s'il te plaît, ma belle dame. Là, je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne me reprend, mignon là. Non, mais si toi, tu es sur le panel, tu n'as pas compris. Non, mais t'es sur le panel, tu n'as pas compris. Non, mais t'es sur le panel, tu n'as pas compris. Non, mais t'es sur le panel, tu n'as pas compris. Attends, n'aime pas ça. J'étais en train de faire jus, j'étais dans la cuisine, je vais te salon même. Ok, c'est un truc. C'est une dame qui est montée, voilà, une fan de plus le Gabon qui est montée pour bien m'a bien laissé. Maintenant, comme elle a dit que. Elles sont là, c'est les José, ça fait depuis combien d'années et tout, que eux-mêmes, peut-être dans les familles aussi, ils vont pleurer dans les familles aussi. Ils ont tout ce qu'ils souhaitent du mal à José. Ça, c'est retourné dans les familles. C'est ce qu'elle voulait dire en gros. Maintenant, Rose n'a pas compris. Rose pensait qu'elle souhaitait la mort aux gens. Donc, Rose est montée aussi pour commencer à rentrer. C'est rentré dans l'affaire d'ivoirinité ou bien quoi. Là. Et ici, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça, on lui a dit non, on ne fait pas ça ici, en fait. Tu vois. Mais après, elle a compris. On les a compris. C'est bon. Il n'aime pas ça. Merci, ma belle. Ok, mais non, répondu. Au fait, Rose a confondu Leslie Choco et Leslie Chose 5 étoiles. Donc, comme Leslie Choco a eu les problèmes avec les Gabonais, que la femme dit elle vient du Gabon, voici là où elle va s'asseoir sur sa vie pour dire reste chez toi. Ici, là, c'est chez nous. Là, voici Rose qui a pris balle perdue. Depuis où elle est là, son ventre lui fait mal. Elle a avalé beaucoup. Elle était dans les commentaires, elle dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu vois, Rose. Toi, tu étais dans mon truc. C'est bon, non, laissez Rose. Non, il a fait monter, non, il a la tête. Bonjour. Coucou. Bonjour, Michel. Tu sais pas là, ça chauffait de la main. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je présente, je suis bérée. Ah, parce que je suis fatiguée depuis le matin. Vous parlez-vous dans des pas bas aux gens, ça me fatigue, ça je suis pas. Les Amazons ne me parlent pas. On s'est sur ton panel ici. Merci beaucoup, merci, je descends maintenant. J'arrive pas là, sur ton panel ici. Va en paix, que le Seigneur te bénisse. Et juste là, je te donne rendez-vous de se croiser d'un pays pour aller se frapper. Pour plus pécher. J'ai compris. Vous avez dit. J'ai dit, on va faire beret de comment on appelle ça, des TikTokers là. Quand tu dis TikTokers, beret de élu de Dieu là. Dieu ma force. Ma copine. Il n'y a pas de rebondissement là-bas. Est-ce qu'il y a beret, mais il n'y a même pas beret. Il n'y a pas de rebondissement. Et Fasifia va faire live matin là, non? Elle parlait un peu en parabole là, c'est pas direct. Quoi. Il y a une nouveauté. Peut-être Mel peut nous expliquer. Mel, tu peux monter pour nous expliquer. Mel était là-bas. Je pense que Mel était là-bas. Hein. Quoi, fait de José continue? Non, depuis le matin, les Amazons sont en train de crier. Excusez-moi, vous pouvez me descendre, s'il vous plaît? Vous voulez parler? Hey, Michel, vous voulez parler de José? Oui, je voulais intervenir, je vais être bref en fait. D'accord. Ok, parce que depuis matin, je suis le panel, en fait, ce que j'aimerais dire, en fait, voilà. Je disais par rapport à Leslie, en fait, je vais être très bref, en fait. Je me dis que, en fait, quand quelqu'un s'acharne beaucoup sur la vie de quelqu'un, c'est parce que la personne voudrait être à la place de cette personne. Et je pense que c'est parce que où elle a échoué, José a réussi là-bas. Donc, du coup, elle est obligée d'appuyer où ça fait mal, en fait. Sa vie privée.
En ce moment, José, elle n'a pas besoin qu'on intervienne dans sa vie privée. Elle a besoin de soutien, elle a besoin qu'on la relève, elle a besoin qu'on l'accompagne dans le fait qu'elle s'est encore relevée, en fait. Elle a plus besoin de soutien. Et je comprends pas la sortie de Leslie. Sincèrement, je comprends pas. Comme s'il y avait quelqu'un en dessous, s'il y avait quelqu'un qui la guidait, en fait. Parce que elle peut pas attendre que le conseil de José prennent de l'ampleur pour qu'elle ressorte encore sur sa vie privée. Pourtant, José n'a jamais parlé d'elle. Sérédie n'a jamais parlé d'elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Et je ne sais pas sur quoi elle compte, en fait. Si c'est sur son statut en griffe lesbienne, qu'elle compte pour faire des gaffes. Mais qu'elle sache qu'il y a toujours des retombées, en fait. Même si ce n'est pas José ou Sérédie, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui va se passer. Pas des menaces, mais il y a toujours quelqu'un qui va... Elle va toujours payer, quoi. Le karma, il existe. Pour quelqu'un qui t'a rien fait, tu t'acharnes sur cette personne, sache que le karma, il existe. Tous ses collègues avec qui elles ont commencé sur Facebook sont en train de redorer leur image, mais elle veut rester dans le clash. Et j'ai compris que c'est plus la visibilité qui l'intéresse. Leslie ne peut pas traiter un sujet comme le font les autres. Elle est préférée rester dans les clashs, dans la bassesse. C'est ce qui lui donne plus de valeur d'après elle. C'est ça, c'est ce qui la rend star, en fait. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bonne soirée. Merci. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Influenceur. Ok, tu sais quoi, Oui, Fanny, à faire moi. Bon, j'étais son corps. Fanny, tu es là? Bon, j'étais. Oui, je suis là. On dit, il y a papa, tu connais papa, non? Lui, tu avais dit que Makoso vendait les trucs, que Makoso est monté pour le bien mal. Tu te rappelles de lui, non? J'ai pas compris, j'ai rien entendu. Le jeune Babani, le coq ou même Babani quoi là? Ah oui, Babani. Il est monté. Voilà, il dit que lui, il la connaît très bien parce qu'il y a un falsifiable qui a confirmé que oui, effectivement, il n'est pas en train de mentir. Que effectivement, parce qu'elle a fait la maca en fait, et il y a Vassero, le quoi là, le pro, a fait la maca parce qu'elle prenait l'identité d'un policier. Elle s'appelait lieutenant Ouattara. Elle s'appelait lieutenant Ouattara. Oui. Qu'elle s'appelait lieutenant Ouattara. Parce que lui-même, il avait un fumoir. Je ne sais pas, à Trècheville, derrière quelle pharmacie, il a parlé, parlé. Et puis, il y a chose aussi qui a dit oui, qu'effectivement, elle a ça, qu'on lui a déjà cassé le papou il y a longtemps. Qu'il la connaît très bien. Que son âge, la fille a donné là, que c'est son vrai âge. Que c'est une telle. Qu'il y a longtemps, elle est dans ça, elle n'a pas peur de quelque chose. Hein, que vous la voyez comme ça là. Elle aime marabout. Elle aime tout ce qu'est marabout. Elle aime tout ce qu'est sorcellerie. Elle aime menace. Qu'elle n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un qui portait tri pour aller s'arrêter au bord de la route. Elle est lieutenant. Quelqu'un comme ça, si tu n'as pas peur d'elle, c'est pas tu vas avoir peur de qui. Donc, pour ça, elle allait faire maca. C'est quand elle voulait accoucher là. C'est à Makori. Ah, ok. Que c'est quand elle voulait accoucher là. C'est là, ils ont levé de la maca là-bas. Donc là, désormais, c'est lieutenant Ouattara, alias Vassero le pro. Voilà, c'était le béret. Maintenant, votre panel en ligne. Ah, vite, si tu sais pas, moi, c'est pas là. Il y a plein de. Ah. Oui, c'est commandant Cousteau. Toi, la Fanny, il ne faut pas trop parler aux gens. Fanny, ton gros ventre là. Tu ne vas pas te calmer. C'est toi qui as dit de suite. Attends, c'est mon chéri. Ah, moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Il a dit le tenant Ouattara. Si tu t'es senti concerné là-bas, c'est ton problème. Vous là, vous allez me tuer un jour ici. Fanny, laisse. Même à la télé, même on ne dit pas non. Eh, je te jure, Sarah. Eh, Seigneur. Ah, mel. Tu as dit quoi, Sarah? Qui m'a dit ma belle mêle. Le jour m'a dit non de la personne qui a volé l'être agent. C'est ça, non, on dit non de monsieur. Attends, je vais compris. Mon amour mêle, c'est toi qui m'as appelé. Non, je n'ai pas. Non, Yves, toi, si tu es hors sujet. Il dit le jour que Yassine a dit. Non, Influenceur n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Reprends, Fanny. Reprends, Fanny. Influenceur n'a pas entendu. Tu n'as pas entendu ce que. Influenceur, ton palais n'en vient pas. On n'a pas me chercher par là, il est trop palé. Bon, explique, pardon. Allez-y là où il y a Baouin là. On va pas, ton panel est trop chic. On peut pas partir aussi. Bon, explique. Il y a Babani qui est monté. Babani dit qu'il y a longtemps, il essaye de calmer. Qu'elle veut pas écouter ce qu'il est en train de dire. Que lui-même, il a dit à Infacifiable, qu'Infacifiable n'a qu'à laisser. Il ne faut plus pas parler de ça. Donc, lui, il est remonté aujourd'hui. Là, lui, il est venu, il a commencé à parler d'abord des perruques. Et quand il a fini de parler des perruques, il dit, les deux se connaissent très bien, qu'Infacifiable n'a pas menti sur elle. Que l'âge qu'un falsifié a donné, que c'est vrai, que parce que lui-même, là, il avait fumoir. Tu connais ce qu'on dit fumoir, non? Il avait fumoir à Makori, à quelque part là-bas. Que c'est dans que les deux, elle, lui et puis Ouattara, lieutenant Ouattara, les deux se connaissent, les deux savent où. Ils se sont connus qu'à l'époque, là, on l'appelait lieutenant Ouattara, avant les FSI, là.
avant que FSI va venir, ils vont dire qu'il y a guerre et puis il y a FSI là. On l'appelait le lieutenant Ouattara, qui est peut-être trahi pour s'arrêter au bord de la route. Pour naquer les gens. Elle se faisait passer pour un lieutenant Ouattara. Elle-même, elle a fait la prison et tout ça. C'est quand elle voulait accoucher là, qu'ils l'ont libéré de la maca là-bas. Et il y a un facilier même qui a confirmé que oui, cette histoire-là, elle connaît cette histoire-là il y a longtemps. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas clean avant. Qu'au temps de 2006 jusqu'à 2000 combien là, lui, il avait fumé, les deux là, ils se connaissent, ils savent où ils sont quittés, qu'ils savent où ils se sont connus. Que celle-là n'a qu'à avoir peur d'elle, que c'est pas que c'est quelqu'un qu'elle a là, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux. Elle aime les maraboutas, tout ce qu'elle sait, elle aime, qu'elle n'a pas froid aux yeux, hein, que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. Que donc, si elle continue ses bêtises-là, quand lui va ressortir, là, ce qu'il va faire sortir, là, c'est pas tout. En même temps, elle a appelé en direct. Il est en train de parler, puis elle a appelé, puis il a parlé. Il dit, faut pas m'appeler, hein. Faut pas m'appeler. Depuis, il est appelé pour que tu arrêtes, il n'arrête pas. Faut pas m'appeler, hein. Et puis, moi, après, moi, je suis quitté ce panel-là. En tout cas, il a renchéri même. Il dit, elle s'appelle lieutenant Ouattara. Donc, l'homme qui a parti dit son nom, là. En un mot, elle a pris l'identité de quelqu'un. Voilà, elle a usurpé l'identité de quelqu'un. Elle a porté trigue, la police a arrêté au bord de la route. Aïe, mais ça, il faut être fun pour faire ça. Genre, elle vit dans la peau du lot. Faut être femme pour faire ça. Aïe, ouais, c'est nous. Donc, là, c'est ça. Influenza, tu as compris maintenant. Moi, je vais dire le nom. Envoyez-moi les bas, moi, je vais dire le nom. Mais c'est pas le nom. Tant que Yassine, il y a une réunion, elle va dire le nom. Comme elle dit, moi, elle dit ça. Il y a beaucoup d'enfants. Tu as dit le nom. Moi, je vais casser le papou. Donc, Yasmine, c'est quand elle voulait, Daniel, c'est quand elle voulait accoucher. On dirait qu'elle était enceinte, un peu comme ça. Donc, elle voulait accoucher là. Il y a Chanty, elle qui dit elle vend perruque. De bonne qualité. Est-ce que tes pays ne sont pas gris par vieux comme les pays qu'on nous a montrés? Les pays grillages, les plus de bain. Tu peux prendre un brosse pour laver, depuis ça se casse là. Moi-même, je dépasse. Moi-même, là, mon pardon, je dis pas très de mes pardon. On regarde seulement. Chi. Et puis attendez. Amour, on parle de lieutenant Ouattara. Non, attendez. Vous savez qu'aussi, il y a un autre sujet. Infacifia n'a pas parlé de ça. C'est qu'apparemment, il y a une plainte contre Infacifia. Heureusement, Infacifia est au Burkina en ce moment. Voilà, elle est au Burkina. Ah, c'est comme ça. Elle a qu'à venir se trouver à Koutoukou. Elle m'a mis au Burkina. Ah, c'est que vous allez vous trouver là-bas. Elle a venir se trouver à Koutoukou. Restez là-bas pour le moment. Non, je rigole pas. Moi, même Mathias, c'est ça qui m'a glacé le corps même. Tout ça là. Il a dit quoi? Franchement, tant de méchanceté. Histoire de TikTok, tout le monde mange de tout le monde. Après, il faut aller. Non, franchement. Ils n'ont pas le cardio, c'est eux qui ont porté plaisir, qui ont fait classique. Vous avez renchéri. Ils disent, attends, moi, la vie, on va y bouffer. Non, franchement, c'est méchant parce qu'après tout, comme qu'on le veut ou pas. Moi, il a accepté, puis mon cœur est resté ouvert. Même si tu es là, il a bien, il a placé, il a bien, moi. Il dit, moi, il a bouffé ma tante. Pourquoi? Il dit que si tu donnes ici, là, chacun mange et sera mangé à son tout. C'est vous tout, vous le portez plein. Exactement. Ils l'ont appelé, attendez, ils ont appelé même Infacifiable. Mais comme elle n'est pas là, bon, elle a pris son avocat va la représenter. Je vous dis, c'est pas amusant cette histoire-là. Faites attention, c'est ce que je suis montée. J'ai dit que les injures, là, en cas, fais attention. Les trucs là, qu'on peut encourager, les noms. Mais Infacifia n'a pas, elle savait comment même. Infacifia n'a pas dit le nom de quelqu'un, donc je ne sais pas pourquoi la personne se sent concernée. Non, mais tu sais, mamie, là, moi, je m'en fous de consigne, pas consigne, mais je trouve que c'est méchant. Tout le monde mange la chair de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi se lever, aller porter. Elles n'ont pas le cardio. C'est pas bien. Franchement, là, la personne veut souhaiter même à son ennemi d'aller en prison. Elles n'ont pas le cardio, mais c'est elle qui veut venir sur TikTok. Nous, on est resté sur Facebook là-bas jusqu'à injuste. Il y a des autres jusqu'à insulte. On n'est pas parti prendre plainte. C'est vous qui allez prendre plainte. Allez-y, prends comme c'est les chiens qui sont là. Et d'accord. Dans la vie, là, c'est deux bouches qui parlent. Tu vois? C'est deux bouches qui parlent. Donc, moi, ça m'attriste tout ça. C'est pour ça que même aujourd'hui, même là, c'est pas parce que tu voulais faire rire, croyant vous. Il a dit qu'il y a le garçon Ruby qui a fait sa commission hier et puis aujourd'hui, là, mais je passe sur un chéri parce que ça me glace même. Et puis, entendu encore autre chose, encore, ça m'a glace. Au fait, ça me glace sincèrement. Vous dites, soit des TikTok là, il y a trop de méchanceté. Franchement, je trouve que c'est trop méchant. Il y a trop de méchanceté. En fait, des petits bébés, on ne se connaît pas chacun. Je t'ai dit de... Même dans les commentaires, elle insulte Edna. Comme elle a nagé la maman couronne là. Donc, mais pourquoi on ne parle pas de plainte à ce moment? Ils aiment ça, c'est une histoire de plainte là. Vous pensez que quand on porte plainte à tout le monde, on peut porter. On porte plainte. Non, Fanny, il y a t'expliquer une chose, mamie. Non. Non, il y a t'expliquer une chose, Fanny. Vous savez, c'est vrai qu'on est sur TikTok, on fait des choses tout. Par exemple, un exemple, Fanny, ou bien on va prendre l'exemple de Dieu ma force. On ne sait pas les mariés qui, on ne sait pas qui est sa famille, on ne sait rien.
Dans le fait même qu'elle va laisser pleinement, on ne sait pas si ça a son nom quoi, on ne sait pas à quoi voir. Il faut montrer qu'elles n'ont pas le droit de mes yeux. Tu sais, il y a des gens qui sont très orgueilleux. Là, un jus là, tu ne peux pas aller avec ça. Juste pour te montrer rapport de force. Tu comprends? Donc là, ce n'est pas comme par exemple en Europe ou dans les pays où tu vas venir, on dit non, montrez preuve ceci. Toi, tu sais qu'elle avait envie de chez même, ou bien on te t'envoie au Youvre directement, à la Maca. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas une question que oui, il ne faut pas dire ça. Voilà le Salvateur ici, non, il chantait, non? Il chantait, non? C'est pas lui qui est au Youf? Non, là, mais pour Salvateur, là, c'est pas pareil. Non, faut pas, non, Fanny, il a fait. Non, 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 non. Écoute, Fanny, c'est ce que vous voyez. Eux-mêmes, là, ils sont pas propres. Ils sont pas propres. Fanny, Fanny, va te calmer. Fanny, je t'explique une chose. Un moment, là, tu vois, c'est tout ça là pour dire que lui, lui-même, oh, mais Marie-Paul, je t'explique une chose. Il a fait tourner les tombées sur Caillou. C'est comme ça aussi, pareil dans le monde. C'est de ça il s'agit. Parce qu'elle, elle pouvait aussi laisser. Parce qu'après, tout commençait à se reprocher rien. Mais elle a dit non. Lui, il est qui? Je vais lui montrer qu'il n'a pas le droit de. Au fait, il y a des gens qui sont orgueilleux. Tu n'as pas le droit de leur parler comme ça. Voilà. Tu comprends? Donc, il y a des choses. Je pas dit que... oh. On t'a arrêté, Joe. Donc, en tout cas, il n'aura pas bien s'éprêter à bien avant. Le problème, c'est que quand on fait ça, même quand on fait un petit clash, ce truc-là. Moi, j'en ai quand même. Non, c'est même pas la PLCC, même. Votre histoire de PLCC, c'est pas ça, même. Hein. C'est police, c'est plus gendarmerie. Ça n'a rien à voir avec PLCC. Hein. Non, hein? Ah, bon, d'accord. Je t'ai dit à Queen. Ils insultent très mal. Moi, j'ai dit tout. Moi-même, là, il y a une fille qui a fait panel spécial, insulter mon mari, insulter mes enfants. Il n'est pas dit pour des plaintes. Pourquoi il n'y a pas des plaintes? Attendez, je vais faire monter Madame Patou. Azaz, okay. Ceux qui sont les dames qui ne sont pas dans ça, là, c'est eux qui peuvent porter plainte. Mais si tu sais que tu as une. Non, c'est méchant. Pourquoi les dames porter plainte? C'est méchant. Bonjour à tous. Bonjour. Ça allait bien? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Et la santé? Il y a du mieux ou c'est comment? Vous savez qu'il y a les guérés qui te guérissent en même temps. Hé, hein? Maman Patou, toi aussi. Non, Maman Patou, toi tu es guéri aussi quoi? Je suis guéri. Dieu fait grâce, Maman Patou. J'ai dit, c'est mon moment. Tu as vu ma voix, non? Ça a changé. Ah, je vois, ça a changé. Hein? Tu parles fort. Dieu est merveilleux. J'ai dit. C'est maintenant que je vais la récupérer. Vous savez ce qu'on appelle récupération? C'est ça. C'est ça, Maman Patou. Tu as laissé ton temps arriver. Ton temps arrivé maintenant. Mon voilà. Quelqu'un qui dit que nous, on va mourir, Stilby et moi, on nous a donné l'ultimatum qu'on ne verra pas 2025. Aïe. On va revenir rejouer ça. Ça, c'est retour à l'envoyé. On va voir qui va mourir là, entre nous deux. Aïe. Comment des gens que tu ne connais pas, quand tu vas faire essayé de me ça? Tuer et que je te fais le retour, on va voir. C'est tout, non? Moi, je ne suis pas morte. Je suis sortie de ce qu'elle m'a envoyé. Non, Maman Patou, attends, il n'y a rien. Tu as fait retour à l'envoyer, quoi? Oui, bien sûr. Je suis venue à l'envoyer. Maman, tu as bien fait. On t'a raté, toi, tu ne laisses pas. Moi, on m'a raté. Moi, je suis sortie. Non, tu ne peux pas te permettre de prédire la mort des gens. Tu es qui, toi? Tu remplaces, tu me remplaces, c'est tout. Tu me remplaces. Ce que tu m'as envoyé, je te refais le retour. C'est toi, tu vas me remplacer au lit. Aïe. Vous pensez que mon papa est bénévole? Comment tu vas? Bonsoir, non. Ma chérie. Ma boss Lady, merci pour le soutien. Voilà des personnes qui étaient dans mon WhatsApp chaque jour pour demander d'après moi. Non, je suis très contente de t'écouter, franchement. Ah, les filles, préparez-vous, chargez vos portables, chargez vos internet. La semaine va être dense. Hein? Ah, yeah, ça, Maman Patou. Oui. Tu peux nous mettre un peu l'eau dans la bouche, un peu pour nous s'abonner. Tu aimes trop Béré. Maman Patou, non, hein, faut m'affairer un peu. Tu aimes trop Béré. Maman Patou, moi, j'aime la paix. J'aime pas les gens méchants. J'aime pas la haine. Attends, ma grande soeur, attends, s'il te plaît. Maman Patou, j'avoue que dans les jours à venir, dans les jours passés, moi, pas tout monter sur les lives, on sentait qu'elle était abattue, c'était la maladie. Mais depuis quelques jours, je sens que la voix non, de Maman Patou. Depuis hier à aujourd'hui, je suis guérie. Non, Maman Patou, c'est pas hier, c'est avant-hier. Avant-hier nuit, il faut préciser ça. Avant-hier nuit, on est mardi, aujourd'hui, c'était dimanche soir. Voilà, on est mardi. Voilà, okay. Donc c'est avant-hier. Ok. Internet là, pardon, allez acheter. Ou bien moi, mais j'ai activé mon load code pour vous envoyer. Allez.
Là, il y a payé Wi-Fi en même temps. Payé Wi-Fi, hein. Ah, y'a pas de soucis. Payé Wi-Fi, parce que... Quand tu te revois, la mère est partout. Oui, Sarah, tu m'avais manqué, ma famille. Ton Dieu est fort, non. C'est trop fort. Le love is love. Il me rappelle de tout ce qu'on avait traversé. Là, Seigneur. Il a dit, donc, déjà, il y a les désirs, on va demander pardon à Daisy, parce qu'il y a plus grand que Daisy dans Abidjan, là, et puis nous, on ne savait pas, hein. Le fiancé, nous, on a pris le dossier de Daisy ici, on a décortiqué la pardon. Moi, mais elle est sortie pour lui demander pardon. Il y a sa grande soeur même dans Abidjan, là, et puis nous, on ne savait pas. Aïe. Maman Patou, tu connais Ouattara, lieutenant Ouattara. Est-ce que tu connais lieutenant Ouattara? Faut laisser lieutenant Ouattara. Faut laisser lieutenant là d'abord. Vas-y, m'emmener en l'eau. Il y a la présidente de Daisy même. Daisy même, elle n'a rien fait. Daisy là, elle n'a rien fait. Moi-même, j'écoute les audios, je suis à terre. Hein? Tu es dans ton lit et puis dossier vient te trouver comme ça. Non, je suis guérie, les filles. Je me mets. Maman Patou, ce jour-là, tu as mangé quoi? Vous me dites. Ce jour-là, tu as mangé. Tu te rappelles ce que tu as mangé ce jour-là? Vous réfléchis, hein? Peut-être c'est ça que tu dois manger tous les jours, hein? J'ai soupe de cabri. Ah, parce que les sorciers, il y a des gens qui mangent pas. Il y a des gens qui mangent pas cabri parce qu'ils pleurent comme enfants. Ils pleurent comme l'homme. Donc, mon moment tu as mangé ta vie, tu as mangé la viande de tes ennemis. Faut manger ça tous les jours. Ouais, mais elle va me dire. J'ai mal à la tête. Faut me laisser. Tout à l'heure, Waka va faire son live. On a un tout petit dossier à sortir. Après ce petit dossier, on va les amener eux-mêmes. Entre eux là, les trois qui sont ensemble là, eux-mêmes vont se dénoncer. Quand on va sortir le dossier tout à l'heure. Ta main, il va prendre ma place sur ma wakatologue. Voilà. Je vous annonce la bonne nouvelle. D'accord, maman Patou, il y a ma place. En fait, c'est vous qui avez fait le combat. Donc, je viens vous dire merci. Vous avez fait mon combat, de... Hein? Toi, tu ne comprends rien dans une affaire, tu montes sur un live, c'est toi, tu t'en priais pour la personne là-bas. Et puis, toi, tu veux prier. Élu de Dieu, toi tu peux prier. Toi tu connais Dieu. Tu pensais qu'elle était morte, non? Je ne suis pas mort, je suis vivante. Je suis sortie sur toi. On va s'affronter. Tu es dans le live, non? Je suis sortie, je ne suis pas morte. C'est juste pour te dire que moi-même là, je ne suis pas mort, je suis là. Et que le retour sera terrible. Ok. Si tu connais le plus grand marabout du monde là, va le voir. C'est un message que je te lance. Oui. Bisous, je descends. Elle a marabout encore, ma grande sœur. Elle a même de même déposé à faire des marabouts. Elle doit venir te voir pour te demander quel Dieu tu pries. Ton Dieu, oui. Là-même, tu le pries comment? En tout cas, moi, je sais que j'ai entendu un petit scoop. Mais le scoop, là, je ne veux pas parler parce que la personne même conseillée n'a pas parlé. Le pourquoi il y a eu même Niaga, là. Le pourquoi même, là. Pour l'instant, okay. En fait, quand on parle à faire des babadji, elle n'a pas dit nom de quelqu'un, puis on va porter plainte là. Mais en te temps là même là, il y a un vrai truc même, on m'a dit. C'est à cause de ça même, ça a pété même. C'est à cause de ça. Mais tant que la conseillère ne parle pas de ça, moi, je ne peux pas parler de ça. Ok, mais elle ne parle de rien même. Il faut laisser. C'est vous juste pour annoncer que je ne suis pas morte, c'est tout. Maman, Patou, tu peux pas mourir, c'est elle qui sait où ils ont enterré ton nombril. C'est elle qui tue les gens, c'est elle qui donne les jours aux gens pour mourir. Personne n'a voulu, parce qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça, jusqu'à essayer d'atteindre la personne psychologiquement, physiquement, c'était le vœu de la personne. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais franchement, Dieu est Dieu, quoi. Donc, tout ce que vous faites, moi, il dit toujours, il faut avoir un cœur, tu as un cœur blanc, là. Blanc, merci. Merci, boss le dit, c'est ça. Tu peux jamais taper poteau. Choco na chaka. Chacun va voir, c'est ça. Moi, mon objectif sur TikTok, c'est de donner les baouins aux gens. Est-ce qu'il n'y a pas baouins là? J'ai fait quelque chose encore. Même apporter l'amour aux gens, être vrai, être sincère, ouais, c'est être le plus vrai. Important. Moi, je c'est donne mon baouin aux gens et puis je continue le chemin. Il y a un problème dans ça encore. Là, mais c'est baouin là, mais qui fait mal même. Parce que la personne voulait être comme façon, toi, tu es, façon, tu restes, façon, tu dis, maman. C'est ce que la personne voulait, mais voilà, ça a capoté. La personne est née en 4-9. Oui. Maman Patou, c'est ça qu'elle veut pas entendre. Fanny, tu vas pomper tant où tu es, je parle, s'il te plaît, mon bébé. C'est Maman Patou, c'est ça qu'on a soulevé, la mère. Ils ont voulu mettre la mère sur pour eux. Maintenant, nous, on était trop concentrés, ça peut jamais bouger.
Ah, la fille. Je m'ai réservé ma place. Vous n'avez rien entendu, hein, parce que c'est Dieu qui a mis la confusion. Hein. Sinon, un falsifiant, elle-même, elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Exactement. Oui, elle était montée sur le live pour défendre. Et Dieu l'a délivrée. Exactement. Voilà. Elle-même, elle ne peut pas comprendre le mystère qui s'est passé. Si on lutte de quand, depuis elles sont venues lui poser la question, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as changé un coup comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous dire, girl, I'm beside you, ok? I'm back. Où tu es là? Je te lance maintenant l'ultimatum. C'est moi, je commande maintenant. Et lui, de diable. Ce que tu m'as fait là, tu vas vivre ça. Ok, je te lance maintenant l'ultimatum. On verra bien. Tu n'as pas dit tu es sorcier. On verra bien. Tout ce que tu m'as fait là, tu vas vivre ça. Mais dans la vérité, pas dans la méchanceté. Dans la vérité. Tu n'aimes pas la paix, non? Tu vas vivre ça. C'est pas ce que j'ai dit à Roro dans ce pays. Pour dire, si tu n'enlèves pas cette femme derrière toi, tu vas tomber. C'est arrivé, non? Wallahi. Je lui ai dit ça. J'ai dit, Roro, si tu n'enlèves pas cette femme de ta vie là,